Bonjour, c'est Laurent du podcast Anonyme. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une autre petite vidéo. Je pense que je suis un petit peu plus en forme que sur la dernière où franchement j'étais un peu au bout de ma vie. Mais là, ça va mieux. J'ai repris un peu des forces et je me suis dopé, donc tout va bien. On est en avril 2023, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, il y a eu ce qu'on a appelé l'OGL Gate, je pense que c'est comme ça, de la part de Wizards of the Coast et donc de Hasbro, qui ont changé un peu leur licence OGL. Un peu comme si un président voudrait changer quelque chose par rapport à la réforme des retraites, mais bon, on ne fait pas de politique ici. Donc le monde entier, c'est-à-dire le monde des rôlistes leur est tombé dessus. Ils se sont pris une avalanche en fait de contestations qu'ils ont pris en compte, mais du coup il s'est passé plein de choses par rapport aux différentes licences dans le monde entier, etc. etc. À tel point que, écoutez, Hasbro et donc Wizards of the Coast. Nous ont appelé et Franck et moi, ils nous ont fait « Franck, Laurent, vous êtes fantastique, on adore votre podcast. Vous ne voudriez pas faire une vidéo pour un peu remonter notre estime auprès du monde entier ?» Alors moi, je leur ai dit « Mais oui, il n'y a pas de souci, parce que du coup, Franck et moi, on adore défendre les riches et les influenceurs. » Je leur ai dit « Ok, ça vous dit si je fais Ghost of Saltmarsh ?» Ils m'ont dit « Ouais, ouais, great, vas-y, vas-y. » Et je leur ai demandé de m'envoyer un exemplaire, et là, ils ont raccroché. Donc du coup, je m'en suis procuré un, je l'ai acheté, c'est en anglais, je pense que ça sera jamais traduit, hélas. C'était un peu cher, donc voilà, j'ai un peu douillé pour l'avoir. Je vous le montre, parce que je suis tombé sur la couverture, ce qu'on appelle les couvertures alternatives, et autant dire qu'elle est super moche. Donc là, c'est vraiment un point en moins, il n'y avait que ça, bon bref. C'est pas grave, je vais faire avec. Et merci du cadeau pour Ghost of Saltmarsh, parce que c'est, je dois l'avouer, c'est un supplément qui est très dur à décrire. Et autant aller à la conclusion, pour moi c'est une sorte d'erreur éditoriale, mais qui est en fait géniale. Quand je veux dire erreur éditoriale, je ne parle pas de problème de comment dire, d'oubli de mots, de fautes ou des cartes ou des trucs comme ça. Je parle pas en fait de la façon dont c'était fait. Je parle en fait du fond, en fait de l'idée en général de ce supplément. Et je pense que vous comme moi, même si on n'a pas forcément travaillé dans l'édition de jeux de rôle, on aurait fait partie du staff de conception en fait de ce supplément. Je pense qu'on aurait dit à tout le monde, attendez, vous êtes sûr de vouloir aller dans cette direction? On aurait lutté et on aurait perdu. Pour faire une petite comparaison qui va sembler un peu bizarre, c'est... Prenez Blade Runner, le film, le premier, l'original. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, là n'est pas la question, mais si vous avez déjà eu l'occasion de voir des documentaires sur la fabrication du film, vous allez vous apercevoir que c'est incroyablement chaotique. Ça part dans tous les sens, c'est un peu n'importe quoi. Avec un nombre incalculable de versions de scénario, des changements de scénaristes, l'équipe technique qui ne comprend pas où veut aller le réalisateur qui se met à dos toute l'équipe technique, les comédiens qui sont un petit peu perdus, et puis il y a une histoire de production, de date, qui fait que si le réalisateur ne finit pas à telle date, en fait, il perd carrément tous les droits, et même toute la prod, en fait, et même le director's cut, du film, ce qui arrive, et puis les gens qui font la production font leur propre cut en rajoutant une voix off qui n'avait pas lieu d'être, qui change même un petit peu la donne du film. Enfin, c'est un film, la conception est complètement chaotique, et pourtant, ça donne quelque chose qui est vraiment bien, à tel point que Blade Runner, que ça soit sur n'importe quel média, ça reste quelque chose, une œuvre qui a influencé, qui continue d'influencer plein de gens. Il suffit qu'il y ait un film, une série, un manga, une BD, mais même des jeux de rôle en fait qui parlent de cyberpunk, et ils vont tous faire référence à Blade Runner, qui est peut-être le film le moins cyberpunk quelque part dans l'esprit que je connaisse. C'est la même chose en littérature aussi, j'ai oublié ce média, mais voilà, c'est l'influence de Blade Runner, elle continue, elle est là, et c'est juste pour vous dire que je trouve que la conception et ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça donne un truc qui est vraiment, vraiment génial, que j'ai adoré. Je ne sais pas si ça sera votre ressenti, ceux qui l'ont lu, j'aimerais bien avoir des retours là-dessus, mais je trouve ce truc très étonnant. Alors,
Pour un peu comprendre là où je veux en venir, Ghost of Saltmarsh, c'est un recueil de scénarios, c'est-à-dire d'anciens scénarios qui sont sortis à différentes époques et donc différentes éditions de Donjons et Dragons. Et c'est à l'instar je crois que c'est les Contes du Portail Béant, pardon, qui, pareil, prenaient plein de scénarios de différentes éditions de Donjons et Dragons et remettaient tout ça dans un seul recueil. Réécrit, réajusté à la cinquième édition. Là, c'est la même chose avec au moins deux différences. C'est que toutes les aventures présentes là-dedans ont un rapport avec un environnement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des aventures maritimes. Alors en fait, j'ai presque envie de dire, c'est des aventures côtières. Hein. C'est pas des histoires de pirates en haute mer, etc. On va toujours être face à l'océan, sur la côte. Dans un environnement, parfois il va falloir prendre la mer, parfois il y a des trucs qui se passent juste sur la terre, etc. Mais on est de cet environnement marin. Voilà. Et le deuxième truc, bah, c'est tout simplement Saltmarsh, qui est une sorte de petit bourg de pêcheurs et qui va en fait être la base d'opération pour toutes les aventures, quelque part. Parce que toutes les aventures, en fait, ont été écrites pour se passer soit dans Saltmarsh, soit aux alentours. Donc ça va être une base d'opération. Et le but, c'est de créer en fait des liens, même si vous allez voir, ces liens ne sont pas vraiment apparents dans le supplément, dans l'idée de pouvoir en fait jouer tout ça en campagne. Alors retenez bien ce que je dis, parce que l'histoire de campagne, je vais y revenir plus tard. Saltmarsh, l'origine de Saltmarsh vient en fait de trois scénarios, lesquels sont d'ailleurs dedans. Qui sont des scénarios du début des années 80, qui ont comme particularité d'être, en fait, d'avoir été écrits par la branche UK, c'est-à-dire anglaise de TSR, et en plus à l'époque d'avoir apporté son petit lot de surprises, d'idées, d'innovations. Donc il y a trois scénarios qui, en fait, c'est là où je voulais en venir par rapport à une campagne, forment une saga, voilà, une petite saga. Et les autres scénarios, honnêtement, ils sont, je crois, issus de différents magazines et ils vont des années 80 aux années 90 jusqu'à début des années 2000. Pour bien comprendre, je vais faire un petit récapitulatif de tous les scénarios et vous allez voir que, en fait, je vais dire beaucoup de choses qui sont négatives. Autant le dire, et pourtant, en fait, je trouve ce supplément vraiment, vraiment bien. Donc, le premier scénario, c'est le sinistre secret de Saltmarsh, il date de 1981 quand même. C'est un scénario d'introduction, c'est un scénario niveau 1, c'est aussi un scénario, il faut l'avouer, qui est culte, et je comprends pourquoi c'est culte, alors que j'ai un peu du mal à lire les vieux scénarios de Donjons et Dragons, j'ai vraiment du mal, mais là, je dois avouer que ce truc m'a plongé dans une sorte de nostalgie, comment dire, que je n'ai jamais eu par rapport à Donjons et Dragons, parce que j'ai commencé vraiment très tôt, mais avec d'autres jeux finalement. Et j'avoue que c'est un scénario, si jamais je devais, enfin même vous, en fait, si vous deviez initier des gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle et qui voudraient en plus découvrir Donjons et Dragons, vu qu'il y a un film qui sort, ça va, il y a plein de gens qui vont vouloir découvrir. C'est pour moi le scénario mais idéal parce que c'est plein de surprises, même si c'est niveau 1, c'est plein de surprises. J'adore le fait que ça parte dans une direction et puis en fait ça il y a une sorte de virement et on part vers complètement autre chose. C'est très surprenant. Il y a plein d'idées. Il faut des personnages qui soient assez quand on est niveau 1, on n'est pas forcément puissant, mais il faut des personnages qui soient volontaires et assez courageux. Et je pense que ça payera. Donc ça, c'est vraiment le premier scénario. Le second, ça s'appelle Danger at Dunwater, et c'est une suite directe du premier. Et c'est là où les problèmes éditoriaux commencent. Je pense, en fait, je parle de logique. C'est là où les problèmes commencent, parce que suite au premier scénario, on découvre quelque chose. Et ça nous amène à être envoyé en mission, une mission comment dire, un peu d'exploration et pour rapporter des informations. Et c'est là où il y a un souci, parce qu'en fait c'est un immense donjon, mais
Tout est fait pour... pareil, le scénario va changer un peu de direction. En fait, les motivations du scénario sont tout autres. Le seul problème, c'est que tout est fait pour vous faire croire, et là, c'est peut-être le seul scénario pour lequel je vais spoiler, tout est fait pour vous faire croire qu'il faut résoudre ça un petit peu dans le combat ou la violence. Alors qu'en fait, pas du tout, il faut résoudre ça avec de la diplomatie. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments pour vous faire comprendre qu'en fait il faut faire la diplomatie. Et l'autre problème, c'est que comme c'est un donjon, si vous agissez avec diplomatie, dès les premières pièces à explorer, eh ben, on va vous amener, on va vous accompagner directement un petit peu à la fin du donjon, j'ai envie de dire, pour pouvoir en fait parlementer avec l'espèce de boss de fin. Parce que c'est ce qu'il faut faire dans le scénario. Sauf que, bah, je suis désolé, mais... Je pense qu'aucun groupe de joueurs va vraiment le faire comme ça et ça va être du hack and slash, etc. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut le jouer. Mais si jamais vous le jouez avec ce truc diplomatie, bah vous avez compris, c'est quelques pages de donjon en fait qui ne servent pas à grand-chose. Néanmoins, à la fin, il y aura quand même des épreuves pour montrer un peu sa valeur, mais je pense que bon, voilà, faut réécrire ou faut se dire qu'en fait ça va être un mini scénario si on part vraiment sur ce truc de diplomatie qui est en fait le truc important. Et à la fin de ce scénario, on va s'apercevoir qu'en fait il y a un danger, il y a quelque chose en fait qui menace un peu toute la région et dont le bourg de Saltmarsh. Et je connais aucun groupe non plus qui, à la fin, en se disant bon, ok, on a compris, le danger vient d'ailleurs, on va se préparer, on va faire ceci, on va faire cela. Sauf que bah, le troisième épisode de cette saga, il arrive bien bien plus tard. Et en fait, il faut vraiment avoir fait une sacrée montée de niveau pour pouvoir en fait le résoudre. Donc si vous avez compris, on a l'impression de se retrouver quand même comme dans un jeu vidéo où pour pouvoir entrer dans une pièce, où il nous est impossible de rentrer dans une pièce si on n'a pas en fait tué d'autres monstres et acquis pas mal de XP pour pouvoir entrer dans cette pièce, avoir le niveau qu'il faut. Je trouve ça débile, complètement débile. Ça remet pas en cause ce scénario, mais pour vous dire, là voilà, je viens de le trouver. Autant les deux premiers, bah, vous commencez niveau 1, et le deuxième, ça doit être niveau 2, voilà, ça se suit, voilà, niveau 2, presque niveau 3. Autant celui-ci, bah, le dernier chapitre de cette saga où il y a un danger vraiment présent, faut être niveau 7. Voilà, donc en fait, entre le MJ va devoir meubler et dire aux joueurs et aux joueuses, ah bah non, vous pouvez pas y aller là maintenant, on va un peu meubler, il faut monter en niveau. Voilà, c'est une philosophie pour moi d'un autre temps et j'aurais vraiment adoré que ça soit un peu réécrit, d'autant que bah, on en est encore à, même au niveau des niveaux, des trucs comme ça, on en est encore à dire, bah c'est une aventure pour entre 4 et 6 joueurs ou joueuses. Plus personne ne fait ça, on joue tous, nos tablées, elles font 3 ou 4, il y a 3 ou 4 personnes, c'est tout quoi. J'aurais aimé que ça soit un peu mieux réécrit. Et c'est dommage parce que du coup, en fait, les joueurs bah, vont devoir accomplir d'autres scénarios qui sont des scénarios uniques et qui n'ont pas grand-chose à voir avec cette saga. Et on conseille même pour meubler de jouer des scénarios du conte des portails béants en indiquant à des endroits où ça pourrait se dérouler. Donc voilà, il y a une sorte de logique éditoriale qui est un peu bête, quoi. Ceci dit, après, bah en fait, le troisième scénario dans la liste s'appelle Salvage Operation, date de 2005, et j'ai adoré ce scénario. C'est une sorte comment dire, de die hard, de piège de cristal, complètement à la ramasse, qui se passe dans un bateau, avec une sorte de course contre la montre face à plusieurs dangers complètement différents. C'est un scénario dur, hyper éprouvant, et je pense qu'il faut vraiment le faire jouer comme ça. Il faut que vos joueurs et vos joueuses soient épuisés à la fin. Mais ils vous remercieront parce que c'est une sacrée aventure. C'est très, très marrant, c'est que du danger, c'est assez étouffant. Moi j'ai adoré ce scénario, ça m'a vraiment fait rire. On arrive en fait à voilà les scénarios. J'ai obligé de dire ça va du très bon au bon et au bof. On arrive au bof. Il y a un truc qui s'appelle Ice of Diabée. Donc voilà, c'est d'ailleurs c'est le plus court heureusement parce que c'est très bof. Faut je crois aller récupérer quelque chose sur une petite île et il y a un danger et voilà.
Bon, voilà, c'est vraiment pourri, quoi. Il est pas terrible, celui-là. Mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. On arrive au cinquième scénario. C'est ce que je disais, c'est le troisième épisode de la saga, The Final Enemy. Alors, voilà, pour niveau 7, entre 4 et 6 joueurs. Ceci dit, même si bah, il n'a pas été réécrit et bien replacé pour que ça fasse une saga avec les deux autres scénarios, il est chouette. C'est vraiment c'est de la grosse heroic fantasy. C'est vraiment une attaque. Allez, c'est une attaque. Il faut attaquer une ville sous-marine. Voilà, j'ai spoilé. Il va se passer plein de trucs. Enfin, c'est bon, bref, c'est du Michael Bay en version Donjons et Dragons. Et j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Voilà, c'est en tant que tel, c'est vachement bien. Vous allez vraiment vous amuser. Il y a un truc qui s'appelle l'avant-dernier s'appelle Tamroth Fate. Alors c'est très marrant parce qu'au départ on va se dire ouais bof. Je crois qu'il faut aller sur un monastère qui est sur une petite île perdue et faut retrouver quelque chose ou faut secourir quelqu'un. Et puis voilà. Sauf qu'en fait ça va se transformer en la nuit des morts-vivants. Voilà, j'ai spoilé. Voilà, c'est un chouette scénario on va dire un peu d'horreur et de zombies. Il est très amusant, c'est à faire. Bon voilà. Et le dernier s'appelle The Sties, un truc dans le genre. Il est bien, il a un côté un peu enquête morbide, un côté un peu horreur, entité d'un autre monde. Il y a un côté un peu Cthulhu. Il est pas facile, mais c'est pas mal du tout, quoi. Donc voilà, en fait, les scénarios, il y a un peu de tout. Comme je vous disais, il y a trois épisodes qui forment une saga. Hélas, le troisième épisode est situé super loin sur l'échelle des niveaux. Et entre, faut meubler avec ces autres scénarios, qui d'ailleurs vont dans certaines directions, on a l'impression de plus trop être salte marche. Et c'est là où j'arrive au truc de campagne, qui est à la fois un truc un peu mal foutu, mais en même temps qui est magique. C'est-à-dire que les 20 premières pages, bah, les 20 premières pages m'ont enthousiasmé, mais comme jamais. Car vous avez une description de Salt Marsh, du village, du bourg, quoi, de ces différents personnages qui sont à l'intérieur. Et autant vous dire, c'est un bourg normalement qui est sympa, qui est assez tranquille. C'est pas comme ces villes, c'est pas qu'on a dans l'Appel de Cthulhu où tout d'un coup on a l'impression qu'il y a une secte ou des profonds à chaque maison. Il y a ça pour une smousse et je sais plus comment s'appelle l'autre qui a un petit. Ah! Ça me revient plus. Bon, c'est un petit port, etc., où il y a le vieux sur sa colline et tout et tout. Là, en fait, bah, ça te marche. Malgré tout, je trouve qu'il fait bon d'y vivre. J'aime beaucoup, en fait, la plupart des PNJ. Je les trouve assez colorés, je les trouve assez différents. C'est un endroit qui, en apparence, est un peu tranquille. On vous fait une petite description sur juste quelques pages aussi des environs, en vous plaçant en fait des idées d'aventure et de danger qui sont, bah, ça tient sur quelques lignes, mais à chaque fois c'est vachement bien. Voilà. Et on vous fait une description aussi du conseil, des conseillers, des gens qui dirigent un peu le bourg. Et on vous met en une seule phrase un truc. Je vais pas spoiler. Mais il y a un truc, il y a autre chose par rapport à la saga de Satmarche, il y a un autre danger, et ça tient sur une seule phrase, et moi ça m'a fait faire wow! Voilà, et pourtant ce truc est très simple, très basique, mais tout d'un coup c'est là où on se dit waouh, je vais pouvoir faire une campagne parce que il va se passer ça, ça, ça et ça, et puis si je rajoute aussi ce qui se passe dans les environs, je peux pouvoir en ranger. Enfin, il y a de quoi faire une sorte de feuilleton qui se passe en un seul lieu autour de voilà dans Salt Marsh. Et le principe de cette campagne, bah, c'est un peu un do-it-yourself. Vous n'allez avoir aucun véritable conseil pour faire en sorte que bah, tous les scénarios forment cette campagne. Comment mettre cette idée de campagne dans ces scénarios et inversement, vous n'avez quasiment aucun conseil. C'est un do-it-yourself et du coup, c'est un supplément je veux dire, qui peut créer une campagne et qui est hyper libre. Et c'est peut-être ça en fait qui est à la fois magique mais qui peut aussi faire peur à quelques personnes qui aimeraient en fait avoir tous les détails.
Mais moi, en fait, juste cette liberté, bah, ça m'a fait du bien et j'ai vraiment eu envie j'ai vraiment envie de me lancer, même si je ne joue pas Donjons et Dragons. Je peux jouer avec d'autres trucs un peu OSR, ça va être facile quand même à adapter. Mais j'ai vraiment envie de le faire et voilà, et faire croire un peu au groupe de joueurs qu'on va jouer en fait des scénarios en fait qui se passent un peu dans la même base d'opération, qui n'ont pas vraiment de lien ensemble. Et puis en fait, bah même s'il y a une petite saga, bah vous avez votre campagne derrière pour faire cette espèce de lien quoi entre tous ces scénarios et obtenir quelque chose à la fin que vous allez complètement improviser. Alors comme c'est en anglais et que si cette chronique vous a plu, vous allez forcément, ça veut dire que vous parlez anglais, enfin que vous lisez en anglais et que vous allez peut-être tenter de l'acheter et que vous allez nous haïr parce que il est un peu dur à trouver et qu'il est cher, mais il y a aussi, je vais vous donner un lien, tout d'un coup le nom m'a échappé, il y a un type en fait sur internet qui fait des trucs en fait de conseils de MJ, c'est Sly quelque chose, enfin il a fait des bouquins, ça s'appelle The Lazy Dungeon Master, etc. Il a aussi un site, un blog, et il a fait, lui il a donné plein de pistes en fait pour utiliser cette espèce de liant et en faire une campagne. Je vais retrouver sur internet et je vais vous donner le lien. Mais c'est Sly Flourish, un truc dans le genre. Voilà. Ça vaut le coup de lire, surtout si vous avez ce bouquin. Ça, bah, la fin du bouquin, c'est y a des règles pour les combats maritimes. Bon, j'ai pas trop lu. Il y a plein d'idées d'inspiration pour créer en fait des événements, pour créer des îles, pour avoir des monstres. Il y a un bestiaire qui est vraiment bien fourni, à tel point que j'ai parfois l'impression qu'on n'a pas besoin du bestiaire en soi, parce que tout est là-dedans. Donc on peut jouer avec soit le manuel des joueurs, soit carrément la version basique, hein, gratuite, Donjons et Dragons. Vous allez me poser la question, est-ce qu'on peut jouer avec le kit Essential? Alors oui, mais ça va jusqu'au sixième niveau, et en gros, vous avez compris, il y a des aventures, surtout la fin de la saga, comme c'est là, bah, elle est pour au septième niveau, donc bon, voilà. Je vous conseille aussi d'aller sur Drive-Thru, il y a plein de gens qui ont fait des cartes, d'ailleurs, il y a les règles qui étaient dans le kit Essential, je pense qu'on peut les trouver aussi ailleurs, les règles pour avoir des compagnons ou des suivants. Il y a un type qui a fait un petit supplément avec plein de suivants, directement lié à cette saga, quoi, à cette marche. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller fouiller un petit peu ce qu'il y a, de prendre toutes les infos. Mais en tout cas, voilà, un truc, un Ghost of Saltmarsh, c'est quelque chose d'assez étonnant, avec des idées, comment dire, avec des idées dans lesquelles on sent qu'on va devoir mettre les mains dans le cambouis. Ça aurait pu être mieux fait, mais comment dire, il y a une sorte de bouffée d'air frais et surtout de liberté pour faire sa propre campagne, pour faire ce qu'on veut. Tout ça tenant à peine quelques pages. Et du coup, en fait, là, j'ai envie de dire que la description de la ville et de certains petits éléments, ça tient en quelques lignes. Et en fait, c'est super bien écrit, c'est rafraîchissant. Et le dernier truc, c'est surtout ça, pour que votre campagne réussisse, c'est le do care. C'est-à-dire que vos personnages doivent en venir à aimer cet endroit et aimer en fait les PNJ en fait qui vivent là. Il y a une sorte de nécessité de vouloir les protéger et de vouloir être avec eux. C'est pour pas qu'en fait ça sombre en fait dans la violence ou dans le chaos. C'est surtout ça le do care. Et donc en fait le but c'est vraiment, et je crois que les PNJ aident à ça, c'est vraiment d'aimer ce petit bourg et de vouloir le défendre à tout prix. Et c'est comme ça que je pense que vous allez y arriver, et c'est comme ça en fait qu'il faut jouer. Donc oui, c'est un truc un peu, faut être bon quoi. Faut être bon, loyal, ou neutre bon, je sais plus les alignements, mais c'est sûr que si vous jouez en fait des bandits ou vous jouez super chaotique, ça va pas vraiment le faire. Donc voilà, Ghost of Saltmarsh, un truc qui est vraiment bien. Je pensais jamais dire ça un jour d'un supplément Donjons et Dragons parce que c'est plus un jeu qui m'intéresse des masses, mais voilà, c'est à jouer et peut-être à traduire ou à canonbiser pour d'autres jeux. Mais vraiment, c'est très très bien. Voilà, sur ce, bah, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons jeux.